Alors aujourd'hui, dans le projet RSE, sont impliquées à mes côtés différentes personnes qui composent un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, il y a notamment les QSE, donc en charge des questions liées à la sécurité et environnement des différentes entreprises, des auditeurs également, l'équipe RH au complet pour traiter notamment les sujets de formation, le responsable informatique également qui s'est joint à nous pour tous les sujets liés au recyclage du parc informatique de Cobredia. Mais l'idée évidemment dans cette démarche, c'est d'avoir ce comité de pilotage qui soit bien sûr soutenu, accompagné, relayé dans l'ensemble des sites du groupe, de telle façon que finalement la quinzaine de personnes aujourd'hui qui composent le comité de pilotage deviennent les 1500 collaborateurs du groupe à terme, puisque cette démarche-là concerne absolument tout le monde et que chacun à son niveau, dans son quotidien et dans son poste, est concerné par la stratégie RSE du groupe. La stratégie RSE de Cobredia se déploie sur quatre piliers qui sont l'aspect économique, l'aspect environnemental, l'aspect social et l'aspect sociétal. Les engagements RSE sont complètement alignés avec les valeurs du groupe, dans la mesure où ça fait écho à un désir qu'on a de transformer en profondeur l'entreprise, d'y faire adhérer le maximum de personnes qui la composent, et d'avoir une démarche qui se déroule dans le temps, de façon à ce que chacun puisse adhérer à son niveau dans l'un des quatre piliers de la RSE, tout en portant les valeurs du groupe, qui sont l'excellence, le partage et l'esprit de conquête.